c'est ce que chantaient ceux qui voulaient pas se rendre, justement. I'm a good old rebel. Je suis un bon vieux rebelle. Et votre constitution, j'en veux pas. Oh, I'm a good old rebel. Now that's just what I am. And I don't want no pardon for anything I've done. I hate the Constitution. This great republic too. I hate the Freedmen's Bureau in uniforms of blue. I hate the nasty eagle with all his brag and fuss. Elisabeth, je crois que nous avons des questions d'auditeurs. Oui. Existe-t-il un lien entre le général Lee et le Ku Klux Klan? Et le cas échéant, lequel? Non, aucun. Après la guerre de sécession, le général Lee a œuvré pour une réconciliation. Il n'était pas pour la sécession avant, donc après, c'était fini. Donc, il a conseillé aux sudistes, voilà, on a perdu, on ne va pas encore aggraver les choses, essayons d'arranger un petit peu les choses. Alors, le Ku Klux Klan, première manière, le tout premier Ku Klux Klan qui a été créé, après, il y a eu toutes les dérives que vous pouvez imaginer jusqu'à maintenant, un Ku Klux Klan qui est devenu infréquentable, mais le premier Ku Klux Klan qui a été formé n'a pas été fondé, comme on le croit, contre les Noirs, mais contre ce qu'on appelait les Carpetbaggers. Les Carpetbaggers, c'était des nordistes qui descendaient dans le sud et qui avaient pour tout bagage un sac, vous savez, les sacs en tapisserie. Mm-hmm. Carpetbaggers, ça s'appelle, Carpetbag, un sac en tapisserie. Donc, ils venaient dans le nord et pillaient le nord. Et ils servaient souvent de noirs, illettrés ou peu formés, etc., comme d'hommes de paille. Donc, le but de ce premier Ku Klux Klan, c'était d'effrayer ces Carpetbaggers, de leur faire peur. Puis par la suite, il y a eu les dérives que l'on sait. Et à partir de ce moment-là, les officiers sudistes qui avaient fait partie du premier Ku Klux Klan s'en sont retirés. Et l'ont même désavoué. D'accord, merci. The lion, thief and me Yankees, I hate them worse and worse. Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. And I don't want no pardon for anything I've done. Hundred thousand Yankees is stiff in southern dust. We got 300,000 before they conquered us. They died a yellow fever, southern steel and shot. I wish they was 3 million instead of what we got. Oh, I'm a good old rebel, now that's just what I am. And I don't want no pardon for anything I've done. I can't take up my musket and fight 'em now no more. But I ain't a-gonna love 'em now, that is certain sure. And I don't want no pardon for what I was and am. Bonjour Alain Sanders. Bonjour. Donc on ne vous présente plus, mais enfin bon, on va quand même, pour Nouvelle-de-France, vous présenter quand même. Vous êtes donc écrivain, journaliste, grand reporter, spécialiste surtout de la culture américaine. Oui. Et donc c'est à ce titre qu'aujourd'hui on vous interviewe pour des images de Nouvelle-de-France. Autour de votre dernier livre qui s'appelle donc La désinformation autour de la guerre de sécession qui vient de paraître aux ateliers Faut le faire dans la collection L'Étoile du Berger, c'est ça? Oui, qui est la collection La désinformation autour d'eux aussi. D'accord. Puisqu'on a plusieurs titres. Le but c'est de façon rapide, oui, pas trop ennuyeuse si possible, d'apporter des réponses sur des idées toutes faites et de donner enfin de livres une bibliographie solide pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà. D'accord. Donc, ce dernier livre donc, aborde le sujet de la guerre de sécession. Parce qu'en effet, on va fêter donc, les 150 ans, on les fête. En fait, on a commencé à les fêter. On a commencé à les fêter, j'étais en octobre dernier, donc en octobre 2011, aux États-Unis, 1861-1865, la guerre dite de sécession. Donc, pendant 4 ans, bien plein, on va commémorer ce conflit, à mon sens, majeur,
et qui annonce bien des malheurs de notre monde. Et justement, alors, comment est perçu l'événement aux États-Unis d'abord ? Alors, aux États-Unis, déjà, on ne dit pas la guerre de sécession. Oui. Si on est nordiste, on dit la guerre civile. Si on est sudiste, on dit la guerre entre les États ou la guerre d'agression nordiste. Voilà, parce que c'est vrai que, en tout cas, ça n'est pas une guerre civile. Une guerre civile suppose qu'il y ait deux camps, oui. L'un voulant prendre le pas sur l'autre. Or, ça n'a jamais été le but des sudistes. Les nordistes, oui, voulaient imposer une union que les sudistes ne voulaient plus, mais les sudistes n'ont jamais, sinon au cours de raids rapides, n'ont jamais songé à envahir le Nord. Ils n'ont même pas, alors qu'ils auraient pu le faire après la bataille de Bull Run, que les nordistes appellent Manassas, premier Manassas, first Manassas, ils auraient pu prendre Washington. Ils n'ont pas fait, ce n'était pas leur but. Leur but, c'était de vivre peinard chez eux et à leur façon. Mais alors justement, l'histoire officielle nous dépeint une vision manichéenne des événements. Bon, l'esclavagisme, finalement le côté les bons d'un côté, oui, les méchants de l'autre, voilà. Bon, voilà. C'est toute l'histoire du monde. Et alors, pouvez-vous nous rappeler justement la genèse des événements, en fait ? Bah, la genèse des événements, très rapidement, ouais. on va rappeler que quand les nordistes attaquent le sud, le fait de l'esclavage n'entre pas en ligne de compte. Lincoln lui-même est d'une famille où il y a des esclaves, ouais. Alors que le général Lee, le chef des armées sudistes, n'a pas d'esclave, il les a tous affranchis depuis longtemps. Ça, et il déclare que le système de l'esclavage fait encore plus de mal aux blancs qu'aux noirs, et qu'aucun chrétien ne saurait tolérer cette chose-là, mais laissez-nous le temps d'affranchir les gens tranquillement, pas par quelque chose de brutal. Et Lincoln dit, oui, moi ça ne m'intéresse pas, si je pouvais maintenir l'union sans libérer un seul esclave, je le ferais. Et Lincoln dit, oui, moi ça ne m'intéresse pas, si je pouvais maintenir l'union sans libérer un seul esclave, je le ferais. Et ça n'est que fin 62, 1862, quand il s'aperçoit que l'affaire est éventée, qu'on voit bien que c'est une guerre économique, une guerre industrielle, une guerre capitaliste qui est faite au Sud. Là, il trouve, comme aujourd'hui, l'argument humanitaire, les raisons humanitaires. On ne fait pas la guerre pour le pétrole, oui. On fait la guerre pour libérer des gens. On ne fait pas la guerre pour les richesses minières, on fait la guerre parce que ça n'a pas changé. Oui, finalement, ça n'a pas changé, d'accord. Et ce qui m'a étonné d'ailleurs dans votre ouvrage, c'est que le fait qu'il y avait beaucoup d'engagés, de volontaires qui étaient noirs. Une des raisons principales pour lesquelles j'ai voulu faire ce livre. Il y a un chapitre. Ça, on ne sait pas du tout, justement. Il y a un chapitre entier là-dessus. Ouais. Il y a 80 000 Noirs qui se sont engagés dans l'armée sudiste. Alors certains étaient brancardiers, certains étaient ordonnants, certains serviteurs, mais les autres étaient engagés dans l'armée sudiste comme soldats au coude à coude avec les Blancs, avec le même salaire et partageant la même maigre pitance. Il y a eu des Noirs dans l'armée nordiste, mais il a fallu attendre très longtemps parce que ni Grant, ni Sheridan, ni Custer, ni même Lincoln ne les voulaient. Ils disaient, on n'a pas confiance, on ne va pas armer des nègres, disaient-ils. Alors, les abolitionnistes leur faisaient honte dans leur... Ils disaient, comment, dans l'armée sudiste que vous prétendez combattre, il y a des Noirs depuis très longtemps, et nous, bon, à partir de 62, il y en aura. Mais, à cette différence près que dans l'armée nordiste, les Noirs étaient dans des troupes qui s'appelaient Colored Troops, oui. Qu'ils étaient commandés par des Blancs, donc, il y avait déjà une ségrégation, et qu'il ne touchait qu'un cinquième du salaire d'un Blanc. Voilà. Et que dans le Sud, aujourd'hui, il y a de très nombreux monuments à la mémoire des Afro-Américains qui se sont battus pour Dixie, alors que dans le Nord, si, on le fait à travers des films. Oui, c'est ça, on a l'habitude, voilà, de voir cette production américaine qui nous montre. Et ça, c'est un des grands mensonges. Parce que pendant toute la guerre de sécession, dite de sécession, il n'y a pas eu un soulèvement d'esclaves. Il n'y avait plus un homme à la maison. Les plantations, les petites fermes, les endroits où il y avait des esclaves. Alors rappelons au passage qu'il n'y avait que 4% de sudistes qui avaient des esclaves. Oui. Si bien que si véritablement ça avait été une guerre de leur part pour défendre l'esclavage, on ne voit pas pourquoi le petit blanc qui trimait toute la journée serait allé mourir pour des... pour des maîtres ou des propriétaires d'esclaves. Hein. Ils se sont battus parce qu'on en a arrêté un jour et les nordistes lui disent « Mais vous n'avez pas de terrain, vous n'avez rien, vous êtes pauvre, vous n'avez pas d'esclaves, pourquoi vous vous battez ?»« Parce que vous êtes venu chez moi sans y être invité. »
Donc je continue, dans ces plantations, dans ces fermes, dans ces endroits, il n'y a pas un soulèvement d'esclaves. Et les femmes qui sont restées seules vont être protégées. C'est ce qu'on voit un peu dans n'importe où. Elles vont être protégées. Ouais. Elles vont être protégées. Et puis ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y avait notamment en Louisiane, notamment en Virginie, il y avait des Noirs affranchis qui eux-mêmes avaient des esclaves. Ah d'accord. Oui. Il y avait des Indiens qui avaient des esclaves. Voilà, ça n'est pas aussi simple que ça. Et l'histoire ne doit pas s'écrire en noir et blanc, mais en gris, qui se trouvait de la couleur de l'uniforme des sudistes, ce qui tombe très bien. Très bien, oui. Alors donc, est-ce que ce n'était pas un combat civilisationnel, justement, entre deux cultures alors? Oui, c'est entre deux cultures, c'est deux... Une culture industrielle, disons, et une culture peut-être plus proche de la terre, plus proche des... Voilà. Agricole, alors, enfin plus... Sans vouloir plus profonde, faire, enfin plus... Sans vouloir faire trop d'histoire, le sud, c'est la... l'héritage des cavaliers, les cavaliers. Le nord, c'est les têtes rondes. C'est-à-dire à l'époque de Cromwell en Angleterre, les têtes rondes, puritains, gonflants, donneurs de leçons, etc., c'était les têtes rondes. Et ceux qui étaient pour le roi, c'était les cavaliers, qui avaient une vision plus noble, plus déliée, moins rationnelle, moins productive ou productrice de la vie. Et le Nord, c'est une civilisation effectivement agricole. Et vous avez dans le Nord ces puritains, et vous avez dans le Sud des baptistes, qui ont d'ailleurs rompu avec les baptistes du Nord, les baptistes du Sud, l'église baptiste du Sud, très puissante aujourd'hui, et beaucoup de catholiques, on oublie. En Louisiane, presque tout le monde est catholique. Or, la Louisiane, qui va être la plus frappée, la plus punie, comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, la Louisiane, les gens de Louisiane, blancs et noirs, vont s'engager à 100% pour le Sud. Ouais. Inutile de dire qu'on va leur faire payer par la suite. Voilà. Et est-ce qu'on sent encore, justement, de nos jours, cette fracture aux États-Unis? Par exemple, vous qui parcourez souvent les États-Unis, est-ce que vous voyez vraiment une différence entre les anciens États du Sud et les États du Nord? Il y a une barrière, disons, même psychologique. En fait, il y a une grande différence. Le Sud est un ensemble où, au moment de la guerre, 80% des gens qui y étaient nés dans le Sud, ou venaient du Sud. Dans le Nord, ça, c'était 50%. Les autres, c'était les immigrants qui arrivaient. Ils arrivaient par paquets. Et on les engageait tout de suite dans l'armée nordiste. Moi, je donne des témoignages là, ils ne sont pas contents, mais on leur dit, « Ah, si vous vous engagez, vous allez devenir américain tout de suite. Oui. » Alors, ils vont, si bien qu'on va avoir ce phénomène et ce déchirement, de voir un régiment irlandais nordiste formidable, des combattants extraordinaires, mais des néo-arrivants qui vont se battre contre un régiment irlandais de vieille souche implanté là, et ils vont se battre les uns contre les autres. C'est vraiment... d'un côté, vous avez une population nouvelle, industrielle, qui vit dans les villes plus qu'à la campagne, et vous avez une civilisation aristocratique d'esprit et rural dans le Sud. Et tout ça ne marche pas. Une douceur de vivre d'un côté, favorisée par le climat, déjà. Et dans le Nord, le talon de fer, ça, il faut lire Jack London, c'est le talon de fer, c'est l'industrie. Et bien souvent, des Noirs qui avaient fui le Sud pour aller travailler là-bas sont revenus parce qu'ils disent... Mais à New York, c'est pas possible. Bien sûr, on nous dit qu'on est libre, mais on est mal payé, on habite dans des taudis. Si on est malade, personne ne nous soigne. Alors que dans le Sud, sans faire idéaliser le paternalisme, l'homme qui avait quelques esclaves, il avait, ne serait-ce pas pour des raisons humaines, mais au moins pour des raisons bien comprises, il n'avait pas intérêt à ce que ces gens soient malades, soient en mauvais état, ou voilà. Donc il y avait une espèce de prise en compte avec des soins, avec une nourriture de les populations du Sud, blancs et noirs compris, étaient 10 fois mieux nourries que dans le Nord. Il y avait 5 fois moins d'épidémies ou de malades chez les Noirs du Nord que chez les Noirs du Sud, que chez les Blancs du Nord, etc. Voilà. Et est-ce qu'à l'époque, je ne sais pas si vraiment c'est abordé, mais est-ce qu'à l'époque, certains écrivains se sont engagés d'un côté ou de l'autre
Oui, il a fallu attendre après. Oui, il y a. Bah, on va donner un exemple. Il y a Mark Twain. Alors, Mark Twain qui va se positionner comment? Il habite dans le sud. Il va se positionner pour le sud. Oui, oui. Et puis ça, il va pas rester très longtemps. Hein. Son frère va lui dire tu vas te faire tuer, reviens, etc. Et paradoxalement, un peu par la suite, il va prendre des positions un peu social-démocrate, on va dire. D'accord. On va pas dire socialiste parce que ça veut rien dire là-bas. Oui. Mais social-démocrate, un petit peu comme ça, parce que. Les écrits de Mark Twain, Huckleberry Finn ou Tom Sawyer sont très importants. Il y a un chapitre qui s'appelle dans mon livre les relations raciales dans le Sud, où il y a des gens du Nord qui viennent dans le Sud et qui sont effrayés. Oui. Ils ont vu dans le train une maman noire et une maman blanche avec leurs enfants, et les enfants mangeaient des gâteaux dans le même sac. Ils se disent, mais dans le Nord, ça serait impossible. Ce serait impossible. J'ai vu à Charleston les noirs et les blancs de tout sexe se croiser dans la main, se serrer la main et se demander des nouvelles les uns des autres. Mais à Philadelphie, aucun blanc ne voudrait être vu avec un nègre, etc. C'est cette histoire que j'essaie de montrer parce qu'on nous l'a raconté complètement à l'envers. Oui, c'est paradoxal que Lincoln. Qui est un va-t-en guerre, qui déclenche une guerre. Qui était démocrate d'ailleurs, non, il était républicain. Ah, il était républicain. Oui, alors s'il faut comprendre. Ça a changé. Oui, ça a changé un peu. Longtemps, les sudistes ont été démocrates. Ouais, c'est ça. Oui. On disait d'ailleurs dixicrates, on les appelait démocrates parce que le Nord avait été républicain. Voilà, c'est ça. Mais Ronald Reagan a fait basculer tout ça. Ouais. Les républicains, même dans le Sud, sont classés conservateurs à droite, les démocrates un peu plus à gauche. Voilà. C'est plus complexe. Mais le gouverneur Wallace dans le Sud était un démocrate, par exemple. Ouais, voilà. D'accord. Chez nous, il était catalogué d'extrême droite. D'accord. Et quel était le regard de la France, justement, à cette époque? Alors, la France, à cette époque. Est-ce qu'elle s'est engagée dans un camp? Non, malheureusement. Mais elle s'est engagée sournoisement. Napoléon III, qui était un grand souverain, était pour le Sud. Oui. Il était pour le Sud pour une raison simple, c'est qu'il voulait faire pièce, justement, à l'époque il y avait le Mexique, Maximilien. Oui, oui. Donc il y avait une présence française qui était là avec la Louisiane et tout ça. Il voulait faire un pendant catholique et francophile et francophone en partie à cette puissance nordiste protestante puritaine qu'il sentait venir. Oui. Aidé en cela par sa femme, Eugénie de Montijo, etc. Donc on a laissé des briseurs de blocus sudistes venir chez nous, on a envoyé plus ou moins de l'aide de façon déguisée, etc. L'Angleterre aussi. L'Angleterre aussi. Jusqu'en 62-63. L'Angleterre était plutôt dans. Non, elle était aussi pro-sudiste. Alors, on aurait plutôt tendance à croire. Pour d'autres raisons. Alors, parce que les Anglais se souvenaient que les 13 colonies originelles les avaient foutues dehors à coup de pied dans les fesses. Mm-hmm. Donc, ils se disaient à leur tour. Mais après, ça a basculé. Mais aussi pour des raisons économiques. Parce qu'on dépendait du roi coton. Oui. Le textile. Qui venait du sud à l'époque, en fait, le coton qui venait pour les manufactures ou les usines ou en France, et en grande partie pour l'Europe, c'était vital. Donc il ne fallait pas qu'on soit coupé de cette manne. Donc il y a eu, alors, et puis après, il y a eu ceux qui se sont engagés, il y a eu des volontaires. Ronald Secher, que tout le monde connaît, a un arrière-arrière-grand-oncle qui était dans l'armée sudiste, qui est allé s'engager dans l'armée sudiste parce que. On a souvent senti en France les légitimistes, notamment Camille de Polignac, qui est un grand soldat que les Américains appellent le Lafayette du Sud, pas rien, s'est battu dans les rangs des sudistes. Et la plupart des légitimistes, tandis que les Orléans, dont un des fils de Louis-Philippe, sont allés comme observateurs, ils sont bien conduits, ils sont allés au feu, il ne faut pas dire des choses. Pas vrai, mais ils sont allés plutôt au nord. Et Beauregard, le général Beauregard, qui est un grand général sudiste, qui descendait, qui avait des ancêtres français, dont un qui s'était battu dans l'armée catholique et royale en Vendée, disait « Les nordistes sont des jacobins, nous sommes des vendéens. » Et en plus, si on ajoute à ça que l'uniforme des nordistes, c'était les bleus, que Sherman a traversé la Géorgie, a brûlé l'Atlanta avec des colonnes infernales. Oui, c'est ça. La tentation est grande de comparer. Tout à fait, oui. Et alors, que reste-t-il aujourd'hui donc,
vous qui justement y retournez souvent, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de palpable, je dirais un petit peu. Ah bah tout. Quand on va dans le sud, on n'a pas l'impression que c'est eux qui ont perdu la guerre. Ah, il y a une vraie fierté encore. Il y a une fierté, il y a le drapeau sudiste qui flotte, oui. bien qu'on essaie de l'empêcher. Oui. Il y a des monuments partout, des monuments oui. à la mémoire des soldats confédérés, il y a des statues. Alors c'est amusant parce que les premières statues, jusqu'à l'époque de ce qu'on appelait la reconstruction, qui a été la mise au pas et la rééducation du Sud, hein, qui a été oui. terrible. Je l'explique là-dedans, donc je ne développe pas. Mais dans le premier temps, les statues à la mémoire des sudistes représentaient un soldat sudiste debout et qui avait son fusil épaulé et qui visait vers le nord. Et quand les choses se sont apaisées, ils ont fait des statues où le soldat sudiste est debout, mais avec le fusil posé à ses côtés. Voilà. Mais c'est partout, partout. Il y a des rues du général Lee, il y a la place du général ouais. Borgard. On est dans un pays qui, non seulement a relevé la tête, comme on le dit, ouais. Au sud, the South will rise again, le sud renaîtra, sud se rêvera, mais on est dans un pays où tout ça est tout à fait normal et où on parle de la guerre entre les États. Voilà. Est-ce que, une question, est-ce que l'immigration change quelque chose à cette fierté sudiste, l'immigration que vivent les États-Unis? Est-ce que l'immigration de quel ordre? Latino. Ah, latino, par exemple. Non, non, parce que l'immigration latino, elle a toujours existé, elle est en Floride, elle oui. est en Louisiane en partie, elle est au Texas. Oui. Ça concerne moins la Virginie, ça, bon. Mais en même temps, il y a une espèce de connivence aussi parce que les latinos sont venus et sont catholiques. Alors, ils ont un regard bienveillant. Ouais. Moi, je vais au Texas, souvent je vais le matin parce qu'il y a, la messe à 9h, généralement, c'est la messe des Mexicains, c'est la messe des Latinos. Oui, oui. J'aime beaucoup parce qu'il y a cette jeunesse avec ils chantent, il y a les guitares, il y a les mariachis, il y a une joie de vivre, etc. Ouais. Et c'est tout à fait sympathique. C'est, ça n'a pas changé le regard. Alors, ça peut changer le regard, mais au-delà, plus vers le Nouveau-Mexique, vers le sud du Texas, où effectivement il y a un souci qu'ils n'entrent pas par milliers, ce qui est souvent le cas. Mais paradoxalement aussi, mais tout à fait normalement, dans ces pays-là, les patrol borders, les patrouilleurs de frontières, ce sont d'anciens latinos, d'anciens mexicains eux-mêmes, qui sont devenus officiers. Dans l'armée américaine, il y a quand même 20% de soldats, d'officiers, de généraux d'origine latino, souvent mexicaine, mais au-delà, hein, cubaine ou autre. Miami, on parle plus espagnol dans la rue qu'anglais, il faut le savoir. Alors, est-ce qu'à votre avis, justement, pour ces commémorations, on aura la joie d'avoir Obama qui fasse une petite visite dans le sud? Non. Non. Non, ça ne pourrait pas être... Non, ça ne sera pas... Genre, il y a pas de juif, je rêvais que... Non, ça pourra l'être peut-être après les élections. Oui. Mais là, on va rentrer en période électorale. Il n'y aurait pas intérêt, justement, à... Non, parce que c'est pas son truc, c'est pas sa culture, c'est pas un afro-américain, jamais oublier ça, c'est pas un afro-américain. Donc, oui, mais il aurait pu récupérer son compte, disons ça. Oui, non, il pourra avoir un message en disant, tirons les leçons du passé, et puis n'oublions jamais que ça a été terrible et qu'il faut éviter de retomber dans ces travers. Oui. Mais c'est pas trop sa culture. Ça n'ira pas plus loin. Non, je pense pas. Alors, donc pour terminer, est-ce qu'il y a certains livres ou certains auteurs, hormis ce fameux livre, que vous conseillez pour quelqu'un qui veut aborder justement la guerre de sécession? En français? En français. Oh, ben, en français, j'en vois qu'un. Oui. Enfin, j'en vois deux. Je vois Dominique Vénère, oui. qui a écrit en 1984 Le Blanc Soleil des Vaincus, oui. qui est un livre remarquable, qui a été publié à la table ronde. Et puis son Gettysburg, oui. qui est beaucoup plus récent, qui a été publié à la table ronde. Il me semble, oui. Tout ça est dans la bibliographie du livre. Voilà, c'est 95, oui. Gettysburg, et c'est pas 84, c'est 74, Le Blanc Soleil des Vaincus. Et sinon, il faut lire Faulkner, alors, bien sûr. Ah bah oui, mais là on est dans le roman. Bien oui, sûr. Mais pour voilà. mettre un petit oui, peu oui, de... oui, oui, Faulkner, c'est formidable. Oui. Et puis il y avait eu en français, il y avait eu en 64 aussi un bouquin qui s'appelle La Guerre de Sécession, écrit par un Américain qui s'appelait Alan Barker, oui. qui est un livre qui est recommandable. Et voilà, il y a aussi dans la collection bouquins
Il y a La guerre de sécession qui est un gros bouquin, je crois qu'il s'appelle... j'ai oublié son nom. C'est un gros bouquin, mais déjà pour érudit. Hein. D'accord. Déjà, on ne le lit pas sur une jambe. Et donc, si on va avoir déjà une première approche sur la guerre de sécession, la vraie guerre de sécession... Le blanc soleil des vaincus, oui. C'est des informations. Et ce livre. Voilà. Oui, oui. Ben, merci beaucoup Alain Sanders. Et en plus, donc, vous trouverez les liens où on peut retrouver Alain Sanders donc, pour ses chroniques habituelles. À très bientôt Alain. Merci. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème historique. Nous allons parler de la guerre de sécession, donc la guerre civile américaine. Et nous parlerons, entre autres, d'une de ses figures majeures, le général Robert Lee. Alors pour évoquer tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Alain Sanders. Alain Sanders, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un fin connaisseur de l'Amérique, des États-Unis, et même un amoureux, un passionné, pourrait-on dire. Parce que j'y vais souvent. Ah, vous y allez souvent. Vous êtes l'auteur, notamment, d'une biographie donc du général Lee, aux éditions Pardès, dans la collection Qui suis-je, et d'un livre intitulé La désinformation autour de la guerre de sécession, aux éditions Atelier Folfer. Oui. Alors, c'est vraiment, nous sommes en plein dans notre sujet. Voilà, nous allons parler de ça ce soir. C'est un thème historique, mais avec des répercussions politiques. Et c'est curieux, puisque plus... on s'éloigne de cette période, hein, c'est-à-dire vers 1860, plus on en parle avec passion. Et ce thème de la guerre de sécession est présenté de façon de plus en plus manichéenne, voilà, en déchaînant des passions. Et c'est un outil, comme d'autres guerres évidemment, c'est un outil de combat idéologique, voilà, utilisé par la gauche. Là, on a une offensive gauchiste en ce moment dans le monde culturel et politique, hein, aux États-Unis et ailleurs. Et pas seulement aux États-Unis, parce que aux États-Unis, ils ont la chance d'avoir quand même des sudistes, tandis que nous, on a des lampistes. En effet, donc aux États-Unis, oui, il y a encore des divisions politiques, ou en tout cas culturelles, entre le Nord et le Sud. Ah oui, c'est encore assez sensible. Oui, il y a ces deux entités qui ne sont pas faites pour s'entendre, parce que la conception du monde est différente. Hein. On a souvent comparé les Vendéens et les Bleus, de gens qui ont une certaine approche de la vie face à des Jacobins, et dont le grand-père avait combattu en Vendée, et qui a été un des plus grands généraux sudistes, disait « Les nordistes sont des républicains jacobins, nous sommes des Vendéens ». Justement, parlons un peu du contexte dans lequel a éclaté cette guerre civile américaine, qui a été vraiment très sanglante. Alors, vous voyez déjà, en disant « guerre civile », vous faites de la désinformation. Voilà. Parce que « civil war », c'est comme ça que l'appellent les nordistes. Les sudistes disent « the war between states », la guerre entre les États, ou la guerre d'invasion yankee. Parce que dans une guerre civile, il y a deux parties, deux groupes, qui se battent pour imposer à l'autre sa manière d'être et sa manière de voir, l'imposer politiquement. Or, si c'est le cas du Nord, jamais le Sud n'a prétendu imposer aux nordistes leur façon de voir et leur façon d'être. Donc, dès le départ, le jeu était un peu faussé. Mmh. Et puis après, l'autre escroquerie de base, mais il y a longtemps que les historiens anglo-saxons ont balayé tout ça, c'est de prétendre que le prétexte était l'esclavage. On aura peut-être l'occasion de citer des textes de Lincoln à ce propos, parce que s'il faut déboulonner quelqu'un, voilà, Lincoln, je peux vous sortir des textes que jamais le général Lee ou Jefferson Davis, qui était le président des États confédérés, qui avait adopté un petit garçon noir et qui l'a élevé jusqu'au bout comme son propre fils avec ses enfants, il l'avait enlevé à qui ? À un maître d'esclaves. Ce maître d'esclaves était un noir. Parce qu'on oublie qu'il y avait les noirs affranchis, et les noirs affranchis avaient des esclaves. Constitution, this great republic too. I hate the Freedmen's Bureau and uniforms of blue. I hate the nasty eagle with all his brag and fuss. The lion, thief, and the Yankees, I hate 'em wuss and wuss. Et les Noirs affranchis avaient des esclaves. Les Indiens, Cherokee, avaient des esclaves, etc. Oui, attendez, voilà. Alors, là, nous allons parler de ce thème précis de l'esclavage un peu plus tard. En effet, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Mais revenons donc au début, au contexte dans lequel a éclaté cette guerre, qui, comme je le disais, a été sanglante, particulièrement pour l'époque, avec 3 millions d'hommes engagés au total, et la mort de plus de 600 000 combattants. 600 000, c'est énorme. Et près de 500 000 mutilés à vie, unijambistes, manchots, etc. Une guerre qui a duré donc de 1861 à 1860. 65, oui. Et qui marque aussi un petit peu une charnière entre les guerres de type napoléonien. Absolument.
Et puis la guerre moderne. Des deux côtés, d'ailleurs, les généraux qui se sont battus, aussi bien nordistes que sudistes, avaient été formés à West Point, le Saint-Cyr américain. Donc, ils avaient étudié ensemble les batailles de Napoléon. C'est assez amusant. Et il y avait même certaines armes au tout début qui pouvaient rappeler certains conflits, les dernières batailles napoléoniennes, en tout cas. Ah oui. Alors, en 1860, quelles sont les différences entre le Nord et le Sud, culturelles, économiques? Mais c'est surtout qu'il y a ce qu'on appelle la ligne Mason-Dixon, qui est une espèce de frontière, si vous voulez, qui passe au nord de Washington, qui fait frontière avec la Pennsylvanie. Quand vous passez cette ligne, vous êtes au sud. Quand vous passez cette ligne dans l'autre sens, vous êtes au nord. Parce qu'on oublie souvent Washington DC, District of Columbia. En fait, Washington est en Virginie. C'est une enclave de la Virginie. La Virginie qui est la terre natale et charnelle du général Lee. Alors, ce qui se passe, c'est que le sud, qui ne comprenait que 5 millions d'habitants, c'est-à-dire la Suisse d'aujourd'hui, quoi, face à cette énorme machine industrielle capitaliste qu'est le nord, à un moment, on a assez. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tarifs douaniers, de taxes sur le coton, de choses extravagantes. On était en train de l'étrangler. L'activité économique du Sud était basée sur le coton. Le travail du coton. Le roi coton. Avant, c'était le tabac. Voilà. C'était le tabac, c'était le maïs, c'était le coton, mais principalement le coton. Et le coton, c'est très important dans cette seconde moitié du 19e siècle, parce qu'il travaille avec l'Angleterre. Ils travaillent avec la France. Ils envoient tous les vêtements. Une grande partie des vêtements sont faits en coton, en tout cas, ou en dérivé de tout ça. Donc, ils voient qu'ils produisent beaucoup et ils voient qu'ils n'en récoltent que peu. Mais ça s'arrangeait un petit peu. On négociait jusqu'au moment où la Caroline du Sud, toute seule d'abord, a dit « nous, on arrête ». Et comme c'était prévu dans la constitution des pères fondateurs, ce n'était pas une fédération, c'était une confédération, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, c'était des États librement associés entre eux, mais qui à un moment pouvaient dire « je ne joue plus ». Donc il y en a qui ont dit « on ne joue plus ». Mais les principaux motifs de cette discorde étaient d'ordre économique. Économique, voilà, absolument. Alors, comme au début, le Sud a marqué des points, notamment parce qu'ils avaient des officiers extraordinaires, hein, une grande partie des gens formés à West Point, je crois que c'est de l'ordre de 60%, peut-être même 70%, ont rejoint le Sud, et 30% seulement le Nord. Donc au début, ils vont remporter des victoires éclatantes. La première bataille de Manassas, ils arrivent aux portes de Washington. Alors, ils auraient dû pousser, mais ils étaient fatigués. Mais bon, là, Lincoln, qui sent que ça tourne mal, et que des États comme la France de Napoléon III, comme l'Angleterre, comme d'autres pays, comme le Brésil, sont prêts à reconnaître les États confédérés. Plus d'autres neutralité, s'ils ont dit que Napoléon III était officieusement plutôt favorable au Sud. Ah oui, plus qu'officieusement, parce qu'il a laissé passer des bateaux, il y avait le blocus, donc il a laissé passer des bateaux français qui passaient un petit peu plus bas dans le golfe du Mexique, dans ce Texas qui aujourd'hui est inondé, du côté de Corpus Christi, du côté de Galveston, du côté de tous ces endroits-là. Mais il a trouvé le truc habituel. C'est un précurseur, en cela, Lincoln. Il a trouvé Lincoln, qui est le président, Du Nord, qui a été élu républicain, qui a été élu. Il n'a pas obtenu 20 000 voix dans le Sud. Ouais. C'est-à-dire qu'il a été intégralement élu par le Nord et encore c'était pas dans... minoritaire, je crois. Il a été élu de façon minoritaire. Oui, avec les votes du Nord, non. Mais même dans le Nord, il n'a pas fait un tabac. Toujours est-il qu'il a été élu. Et au bout d'un an et demi, s'apercevant que le prétexte de se battre pour refaire l'Union ne suffisait pas, il a inventé ce qu'on a inventé par la suite, la guerre humanitaire. Je ne fais pas la guerre au Sud, je fais la guerre pour supprimer l'esclavage. Voilà, pour des raisons morales. Alors, à partir de ce moment-là, déjà, cet argument moral a commencé à faire fléchir en France, a commencé à faire fléchir en Angleterre, où les ouvriers du textile étaient pour le Sud. Pourquoi ils étaient pour le Sud? Parce que c'était leur matière première. C'était pas là que ça arrivait. C'était pas pour des grandes raisons politiques non plus. Alors, on a commencé à leur faire honte. Mais comment vous êtes pour ces gens-là? Voilà. On fait pas la guerre pour envahir un pays, on fait la guerre pour libérer des peuples. Bien sûr. Il a tout inventé, Lincoln. Voilà, les États-Unis ont maintenu cette habitude. Bon, pas seulement. Pas seulement, mais... La Russie soviétique l'a fait encore plus. Voilà. Très bien. Alors, donc les premiers combats sont en faveur du Sud. Oui. Mais le Sud a quand même des points faibles en termes économiques, notamment. Il n'a pas la puissance industrielle. Tout l'arsenal militaire, toutes les fabrications d'armes, c'est dans le Nord. Alors, il va falloir en catastrophe, il y a quelques petites usines de fabrication d'armes, il va falloir en catastrophe fabriquer des armements et puis surtout en faire venir. Il va falloir en faire venir, on va faire venir même des armes de France, le fameux Le Faucheux, là, ces armes, ces pistolets. On va faire venir des mitrailleuses, ça va être une guerre moderne. C'est la première vraie guerre moderne, c'est une guerre où va apparaître le premier sous-marin, le CSS Hunter, qui est un sous-marin sudiste qui va aller éperonner et couler un cuirassé nordiste. Constitution, this great republic too. I hate the Freedmen's Bureau.
uniforms of blue. I hate the nasty eagle with all his brag and fuss. The lion, thief, and the Yankees, I hate him worse and worse. Oh, I'm a good old rebel now, that's just what I am. Il y a déjà les ballons observateurs. On envoie des ballons pour surveiller l'ennemi. C'est une guerre d'une modernité et qui préfigure ce que vont être, non pas la guerre de 70 parce qu'elle a duré moins longtemps, mais qui préfigure déjà avec le même nombre de morts, celle de 14-18. Oui. C'est l'apparition des reporters de guerre. Oui. La photo est inventée. On a des photos de la guerre de sécession. Il y a des croquis, il y a tout ça. Il y a de vrais correspondants de guerre, il y a des observateurs étrangers qui viennent. Les fils de Louis-Philippe, du côté nordiste bien sûr, viennent suivre les combats pendant quelques temps, etc. Il y a aussi des Français qui se sont engagés côté sudiste, au nord et au sud, Polignac, le fils du ministre Polignac. Polignac a été un général sudiste, oui, oui. Il a commandé une partie de la cavalerie texane. Oui. Et d'ailleurs, les Français d'Amérique, descendants des colons français, donc qui étaient plutôt au sud, en Louisiane, se sont engagés. Qu'on appelait les Cajuns, les Acadiens, ouais. Si vous voulez, se sont engagés, bien sûr, massivement. Massivement, proportionnellement plus que les sudistes en général. Ils n'étaient pas très nombreux. Parce que, si vous voulez, les sudistes, à 80%, étaient de souche, si vous voulez. Ouais. C'était des gens, c'est Scarlett O'Hara. C'est-à-dire, Scarlett O'Hara, c'est déjà son grand-père qui est un Irlandais immigré. Mais son père et elle, c'est des gens du cru. Dans le Maryland, ce sont des Anglais qui sont là depuis le XVIIe siècle. Tandis que dans le Nord, on a cette grosse ville qu'est New York, et cette immigration massive qui va se faire. Et pendant la guerre de sécession, on va ouvrir largement les portes, notamment à des Irlandais. Alors on va avoir ce crève-cœur pour moi de voir des régiments irlandais sudistes se battre contre des nordistes irlandais. Parce qu'on disait aux Irlandais, bon, on vous laisse rentrer, vous vous installez, mais vous faites la guerre, vous vous engagez. Et la guerre finie, vous serez américain. Et ça, c'est un vivier, alors que le Sud ne peut plus renouveler. Un homme qui tombe, c'est un homme qui tombe. En face au Nord, un homme qui tombe, on en remet 10. Donc ça dure ce que ça dure, hein, et à un moment, c'est plus possible. Alors, donc, ce conflit connaît un tournant avec la bataille de Gettysburg. Gettysburg, oui, en Pennsylvanie. En juillet 1863. Pendant l'été 63. Que se passe-t-il à ce moment-là à Gettysburg? C'est la première fois que le Sud porte la guerre au Nord. Parce qu'au départ, jamais les sudistes, je vous l'ai dit, c'est pas une guerre civile. Leur idée, c'est pas d'aller au Nord pour imposer leur vision du monde. Là, il y a une opportunité. Le général Lee a des bons renseignements de ses cavaliers, de ses espions, et ils passent la frontière, si j'ose dire, et ils vont se battre à Gettysburg, qui est à 40 kilomètres de leur base arrière, hein, où ils sont sur le Potomac, hein, c'est le fleuve, le Potomac, ils passent le Potomac. Et là, dans Gettysburg, à un moment, ils y vont notamment parce qu'ils sont pieds nus, les sudistes, hein. Ils se battent dans des conditions qu'on a du mal à imaginer. On a surnommé les combattants sudistes à cette époque, ce qui prouve que souvent, on dit les Américains n'ont pas de culture, ils avaient tous lu Les Misérables. Donc, ils faisaient un jeu de mots et ils s'étaient surnommés Les Misérables, les Misérables de Lee. Les pauvres de l'île, les misérables, voilà. Donc ils sont allés pour chercher des chaussures. Il y avait un dépôt de chaussures nordistes qui était là. Donc les combats vont durer plusieurs jours. Il va y avoir des charges extraordinaires, mais suicidaires bien souvent. Alors ils n'ont pas vraiment perdu. Ils ont perdu moins d'hommes que les nordistes. Mais encore une fois, eux, ils ne peuvent pas renouveler. Donc ils vont se replier, repasser le Potomac. Et là, ça va devenir une guerre de défense jusqu'en 1865. Voilà. Donc on reparle beaucoup du général Lee, qui est voué aux hégémonies par les médias dominants. Alors nous avions commencé à l'évoquer, Alain Sanders, c'est un des principaux chefs militaires du Sud. Oui, c'est le général en chef. Qui va remporter la grande victoire confédérée. Il est réputé pour son talent. Et donc, il va pour son talent et en même temps très ménager de ses hommes. Soucieux du sang. Ça lui sera même parfois reproché dans le Sud. On va le surnommer parfois Grand-mère Lee, parce qu'il est trop précautionneux. Il ne veut pas faire tuer d'hommes plus qu'il n'en faut. Et il est en revanche à l'égard de ces soldats qui commettent parfois... Quand, je vais vous donner un exemple. Quand ils ont marché sur Gettysburg, il y a des soldats qui sont entrés dans une maison et qui ont volé le bétail et tout ça. Il les a fait fusiller. Voilà. On parlera un petit peu dans le sens inverse de l'entrée des troupes nordistes à Atlanta, dans la vallée de la Shenandoah et compagnie, et on verra que c'est tout à fait différent. Oui, alors, qui est-il? D'où vient-il? Très vite, alors c'est une des plus vieilles familles de Virginie, originaire d'Angleterre, une famille arrivée là au XVIIe siècle, avec des illustres... Il y a eu un gouverneur de Virginie, il y a surtout eu son père, qu'on a surnommé Lightfoot Lee, Lee au pied léger. Au pied léger à bien des égards, parce que c'était un cavalier, etc. Et puis il était un petit peu coureur de dames, puis un peu buveur aussi. Bon, c'est un des héros de la guerre d'indépendance contre les Anglais, et un des signataires de la Constitution des États-Unis de 1776. Voilà. Et le petit Lee a, peut-être, je crois, il a 10 ans.
quand son père meurt. Donc il va être élevé par sa mère, qui va très vite le faire entrer, suivre une école d'enfants de troupe, on va dire, et puis par la suite, bien sûr, une école militaire, West Point, etc., d'où il va sortir avec un grade. Et là, il va faire un beau mariage, puisqu'il va épouser sa femme, qui est d'une famille encore plus ancienne, mais elle, très riche, qui sont les Custis. Et c'est une famille dont le fils a été adopté par le général Washington. Donc ce sont les héritiers de la fortune de Washington. Une énorme fortune. Si vous allez un jour aux États-Unis, vous avez peut-être entendu parler à Washington du cimetière Arlington, qui est le cimetière national, qui est un truc extraordinaire, quoi. Eh bien, le cimetière d'Arlington est installé sur le domaine de la famille Lee et Custis, et avec le bâtiment, l'ancien mansion, l'ancien manoir, vous savez, comme on voit en, autant en emporte-le-vent, avec des colonnes, etc., et qui leur a été confisqué, bien sûr, occupé d'abord pendant la guerre de sécession et confisqué après. Mais le cimetière national où est enterré Kennedy, où sont enterrés tous les grands noms, où sont enterrés les combattants du Vietnam, où sont enterrés les plus grands héros des guerres, c'est sur le domaine de la famille du général Lee, en quelque sorte, par alliance, avec son beau-père, le père de sa femme, hein, qui avait dit « Quand vous hériterez du domaine et de tout ça, vous affranchirez tous les esclaves. » Ce que le général Lee fera intégralement. Tandis que dans le même temps, du côté de Lincoln, sa femme, Mary Lincoln, dont d'ailleurs deux frères se battaient dans les rangs sudistes. Et jusqu'à la fin de la guerre de sécession, Madame Lincoln a eu des esclaves qu'elle n'a jamais libérés. Voilà un petit peu comment il faut non pas écrire l'histoire en noir et blanc, mais en gris, qui est d'ailleurs l'uniforme des armées confédérées, ce qui va très bien. Alors avant la guerre, il est déjà très apprécié dans l'armée, il promit un brillant avenir. C'est un ingénieur militaire, il va fortifier des forts sur la côte, il va faire la guerre du Mexique, il va épater tout le monde, il va se glisser une nuit jusqu'à l'intérieur du camp mexicain, il va se cacher sous un petit banc toute la nuit et puis écouter tous les projets, hop, il ressort sans être pris, et le lendemain matin, il vient expliquer où ils vont placer leurs canons, et hop, grâce à lui, la victoire est enlevée, et il va donc devenir un personnage respecté, à tel point que quand va éclater la guerre dite de sécession, il est convoqué à Washington par le ministre de la guerre, qui lui dit, vous prenez le commandement en chef des armées unionistes, des armées nordistes. Oui. Et il dit, vous êtes très gentil, c'est un grand honneur que vous me faites, mais vous allez envahir ma Virginie, ma patrie, vous me voyez tirer contre les miens? Non. Et là, il revient, et c'est là qu'il va faire la carrière d'officier des armées confédérées que l'on sait. Oui. Il n'était pas partisan de la sécession à l'origine. Il était contre. Le général, il était contre la sécession, à la différence de Lincoln, qui, on lira peut-être des textes de Lincoln qui sont affreux, hein, qui sont affreux, les gardes noirs. Terrible. Le général Lee, c'était un général, il était profondément chrétien, et il dénonçait l'esclavage. Alors, il disait, il faudra que ça s'arrête. Il faudra que ça s'arrête. Il ne faut peut-être pas une guerre, ça ne va pas s'arrêter demain, mais c'est un mal moral, c'est un mal politique. C'est quelque chose qui fait plus de mal aux Blancs qu'aux Noirs eux-mêmes, parce que ça ronge leur âme. Général Lee, chef des armées sudistes. Voilà. Alors, après cette fameuse bataille de Gettysburg, pivot, donc il s'acharne, il continue la guerre pendant des années. Oui, il continue. Certains lui reprocheront même peut-être d'avoir... Ce qu'on va lui reprocher, c'est de s'être rendu en 1865 à Grant, à Appomattox, parce qu'il y a encore des régiments sudistes en ordre de bataille et des officiers qui ne sont pas prêts à se rendre. Je vais vous donner un exemple, encore un exemple qui montre qu'on est complètement à front renversé, parce qu'un des plus grands généraux sudistes s'appelle Stan Watty, c'est un Indien. Un Indien Cherokee, parce que les Cherokees, notamment, se sont battus dans les rangs sudistes. Eh bien, on vient lui dire, un mois et demi après, il est encore en train de se battre. Et on lui dit, mais général, le général Lee s'est rendu. Ah, lui peut-être, mais pas moi. Ouais. Donc les combats vont continuer, et vont continuer bien plus longtemps, parce que j'ai apporté là un livre qui s'appelle « La véritable histoire de Jesse James, guérillero sudiste ». Jesse James, il est connu en France comme un bandit, un hors-la-loi, il y a eu des films, le brigand bien-aimé, etc. En fait, le combat de Jesse James et de beaucoup de ces gens-là, ça va être de continuer d'être des guérilleros. Ça va durer jusqu'en 1875, 1880. Il y a encore des types qui se battent. Ça peut être un peu évolué quand même en banditisme, mais pour certains. Il n'a jamais volé de sudistes. Il volait les banques nordistes. We got 300,000 before they conquered us. They died a yellow fever, southern steel and shot. I wish they was 3,000,000. Instead of what we got. Oh, I'm a good old rebel now, that's just what I am. And I don't want no pardon for anything I've done. I can't take up my musket and fight 'em now no more. But I ain't a-gonna love 'em now, that is certain sure.
and I don't want no pardon for what I was and am. Vous avez peut-être vu le film José Welles sans la loi avec Clint Eastwood. Non, ça ne vous dit rien. Bon, regardez ce film et vous aurez compris une grande partie de la guerre de sécession. C'est un film qui a eu un succès immense. José Welles hors la loi, Clint Eastwood, avec Clint Eastwood. Et c'est justement l'histoire d'un homme qui continue à se battre après que Lee ait déposé les armes. On dit justement qu'à l'Ouest, petite digression, mais à l'Ouest, la guerre était beaucoup moins conventionnelle qu'à l'Est. Oui. Qu'elle était peut-être plus sauvage, plus cruelle. Ouais. Donc, qu'il y avait beaucoup d'irréguliers qui se battaient. Oui, il y avait des irréguliers dans. Des règlements de compte qui étaient sanglants. Il y avait des irréguliers dans les deux camps. Il y avait les Bushwalkers, qui étaient des irréguliers nordistes, qui descendaient dans les fermes sudistes, qui pendaient, qui violaient, etc. Et il y avait les Washwalkers, qui étaient contre-milices nordistes, dont a fait partie Jesse Jeffs, notamment, qui se battaient contre eux. Alors ça, c'est dans le Missouri, dans le Kentucky, vous avez ces border states, ce qu'on appelait les états frontières, où c'était partagé. Oui. Où il y avait, par exemple, le Missouri n'a pas fait partie de la Confédération, mais il y avait une majorité de gens qui étaient pro-sudistes. Dans le territoire du Nouveau-Mexique, qui n'était qu'un territoire, qui n'était pas un État, il y avait beaucoup de pro-sudistes. Mais il y avait des pro-nordistes, notamment le fameux Kit Carson. Les gens qui connaissent le western connaissent, un grand tueur d'Indiens, mais dont on a fait un héros par la suite. Voilà, ça a été une guerre plus conventionnelle, bien sûr, du côté de la Virginie, de la Géorgie, de l'Alabama, de la Louisiane, du Mississippi, du Tennessee. Voilà, c'est des armées en ordre de bataille constituées. Mais ailleurs, ça a été des guérillas et des contre-guérillas. Vous avez parlé un petit peu d'Indiens, justement. Que s'est-il passé pour les Indiens pendant cette guerre, hein, qui était centaines de milliers? Il y a ceux qui n'étaient pas sur le terrain concerné. Hein. Les Indiens qui étaient dans le nord du Nouveau-Mexique, qui étaient au Wyoming, dans le Montana, en Oregon et tout ça, il n'y avait pas de guerre. Ils n'étaient pas concernés. Mais ceux qui étaient dans les régions concernées, et notamment les Chickasaw, les Choctaw et les Cherokees, les fameux Cherokees, du Tennessee notamment, se sont ralliés en masse. Ils ont formé des groupes de volontaires qui se sont battus aux côtés des sudistes, au point qu'un des leurs est devenu général. Oui, Stand-Watie, dont vous parliez, voilà, qui était le seul général amérindien, toutes armées confondues. Toutes armées confondues. Qui était le dernier général sudiste à se rendre. À se rendre, il s'est rendu 2 mois après Lee. Ils se sont battus, il y a des textes extraordinaires, on voit les soldats nordistes, ils ne comprennent rien. Ils sont dans un poste, et d'un seul coup, ils sont attaqués par des Indiens qui ont un drapeau sudiste et qui poussent le rebel yell, le fameux cri des rebelles qui glaçait sur place tous ceux qui l'entendaient. Ils disent mais on fait la guerre contre qui? On est attaqué par les Indiens. Bon, il y a des trucs un peu d'humour dans cette horreur. Oui. Alors je crois qu'Elisabeth, justement, nous avons quelques messages d'auditeurs. Oui, un auditeur. Ne pensez-vous pas que cette controverse autour de la guerre de sécession constitue un nouveau front ouvert par les diverses organisations mondialistes du type de celle de Soros? Le cas échéant, cela appelle une contre-offensive. Sur quel axe peut-on alors s'appuyer pour mener celle-ci? Alors il faut mener celle-ci en leur montrant leurs inconséquences. À force de jouer avec le feu, aujourd'hui, il y a les mouvements Antifa qui ne demandent plus qu'on déboulonne les statues sudistes parce qu'ils se sont aperçus que dans le sud, on va les faire courir. Mais qui disent « Lincoln a dit des choses abominables sur les nègres. Il faut retirer la grande statue de Lincoln qui est au Capitole à Washington. » Donc les voilà pris à leur propre bêtise. « Il faut enlever la statue de Washington qui avait des centaines d'esclaves, ce qui est vrai. Il faut retirer la statue, etc. » Voilà. Bon, et c'est sans fin. Je regardais l'autre fois une très bonne émission, d'ailleurs, à la gloire de Moulay Ismaïl. C'était sur la chaîne France 2. Bon, Moulay Ismaïl, qu'on a surnommé le Louis XIV marocain, qui est un grand souverain. Mais c'est un homme qui avait des centaines d'esclaves noirs et des centaines d'esclaves chrétiens. C'est l'époque où Saint Vincent de Paul a créé justement des groupes pour aller libérer, racheter les rançons. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que le gouvernement marocain, qui a fait de Moulay Ismaïl un grand personnage à juste titre, parce que ça a été un grand, grand souverain, il faut aussi ne plus raconter son histoire, déboulonner ses statues. Il faut que l'Algérie, qui a érigé une statue pour Abdelkader, qui fut un massacreur de tribus qui n'étaient pas les siennes, et qui a cherché des noix au Kabyle, Voilà, c'est l'erreur. Oui, on peut l'erreur. Le péché mortel d'un historien qui prétend de l'être, c'est de vouloir juger de l'histoire d'hier à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui. On ne fait pas, c'est un anachronisme total. Malheureusement, ce ne sont pas que des marginaux d'extrême gauche qui poussent dans ce sens. Il y a aussi une partie de l'élite oui, cosmopolite. Oui, vous savez que le maire de New York a déclaré envisager de déboulonner la statue de Christophe Colomb, qui est à New York. Ça, bien sûr, bien sûr. Ça va très, très loin. À New York, si vous êtes allé à New York, il y a une plaque, notamment, honorant le maréchal Pétain. Oui. En 1931, elle a été posée pour honorer les officiers français qui se sont battus avec les généraux américains, etc., etc. Bon, c'est pas le maréchal Pétain, chef de l'État vichysois, c'est le vainqueur de Verdun. Eh bien, elle est là depuis 1931. Ben, ce même maire de New York dit, on va réfléchir à la retirer. Mais c'est des fous. Ce sont des fous. Voilà. Malheureusement, en France, ça s'est passé. Bien sûr. En France aussi, on a nos fous. Oui, non, mais raison, le pouvoir qu'on tous ces gens-là ont été
mêlés et métissés dans ces pays-là tellement que même ceux qui prétendent aujourd'hui se battre contre l'esclavage ont eu des ancêtres qui étaient des gens qui avaient des esclaves. Ben oui, aussi, voilà. Façon, fatalement. Il y avait aussi des Noirs couleur d'ébène qui avaient des esclaves. Les Noirs affranchis dont je vous ai parlé aux États-Unis. Le premier régiment qui a été levé en Louisiane, c'était un régiment de Noirs, des Noirs affranchis. Ils s'appelaient les Louisiana Native Guard, les gardes natifs de Louisiane, hein, les deux souches de Louisiane, quoi, en quelque sorte. Eh bien, ils ont, en 1861, ils ont défilé dans les rues de la Nouvelle-Orléans, ces 700 Noirs en uniforme, payés par leurs soins, leurs armes payées par leurs soins, leur ravitaillement payé par leurs soins, avec leurs propres officiers. Ah oui. Et voilà, au tout début de la guerre de sécession. Alors qu'il faudra attendre bien des années, et d'ailleurs les abolitionnistes feront honte à Lincoln, il faudra attendre bien des années pour qu'on voit des Noirs dans les armées nordistes. Parce que le général Grant avait dit « Oh là là là, on peut les garder comme serviteurs, mais armée des nègres, jamais oui. !» Voilà. Et quand on le fera sous le nom de « colored troop », troupe de couleur, commandée par des officiers et des sous-officiers blancs, sous-payés par rapport au solde des blancs. Tandis que dans les armées sudistes, ils n'avaient pas beaucoup à manger, ils n'avaient pas de godasses, mais il n'y avait pas des troupes avec de la ségrégation. Ils étaient tous au même niveau, noirs et blancs, au coude à coude, dans la même misère, si j'ose dire, mais ce n'était pas des colored troops, c'était des soldats comme les autres parmi les sudistes. Bon, il ne faut pas voir les choses en noir et blanc. À propos d'esclavage, je voudrais signaler un très bon petit livre signé Arnaud Raffard de Brienne. Dans la collection, justement, La Désinformation. Voilà, il s'intitule La Désinformation autour de l'esclavage. Oui. C'est un petit livre, mais qui fait un bon tour de la question. C'est un peu le principe de cette collection, qui ne prétend pas tout dire, mais qui généralement dit beaucoup de choses, et qui donne une bibliographie conséquente qui permet d'aller beaucoup plus loin à ceux qui veulent, par exemple, tout connaître des raisons économiques. C'est vraiment ce défi de l'historiquement correct et du politiquement correct. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, en effet. On parlait de Noirs propriétaires d'esclaves, mais il faut rappeler aussi que les Noirs d'Afrique ont une responsabilité énorme Pardon de dire encore un mot en anglais, mais ça s'appelait les middlemen. Et les Blancs, à l'époque, ne rentraient pas à l'intérieur. Ils avaient des comptoirs. Et c'était des roitelets noirs qui allaient à l'intérieur faire la guerre à des tribus, qui les razziaient, qui les ramenaient sur la côte. Sans ces roitelets, ces middlemen noirs, ces roitelets africains, les gens qui faisaient le commerce triangulaire n'auraient jamais eu, de chair d'ébène. Hélas pour eux. Nous-mêmes, blancs, européens, on aurait aussi de quoi se plaindre historiquement en ce qui concerne l'esclavage. Bien sûr. Les Irlandais ont été déportés par centaines de milliers aux États-Unis. Surtout en Australie, déjà. Je ne sais pas si vous connaissez Ned Kelly, ça vous dirait Ned Kelly. Non. C'est une sorte de Jesse James australien. Il y a un très bon film, là encore. Ouais. Il s'appelle Ned Kelly. Mais les Irlandais étaient envoyés littéralement comme des esclaves sur les côtes dans les 13 états anglais, sous le nom de Endure, des servants, des esclaves contraints. Donc ils étaient envoyés là et ils étaient esclaves pendant 5-10 ans suivant leur peine. Quand ils avaient fait leur peine, ils étaient affranchis, si on peut dire, mais avec interdiction de retourner chez eux, obligation, etc. Les Vendured Servants, c'est pas une invention des sudistes. Ah oui. Et puis on peut aussi évoquer rapidement, mais les millions de, oui, ça se compte en millions d'Européens qui ont été capturés et livrés à l'esclavage, par les barbares. Et le traitement n'était pas tout à fait le même puisqu'ils étaient quasiment systématiquement castrés pour les absolument. Hommes et pour les femmes contraints pour ceux qui craignaient le martyr de devenir des renégats. Et quand souvent, hélas, on nous parle des corsaires barbaresques, c'était souvent des renégats français ou espagnols qui avaient une maîtrise de la mer et qui avaient sauvé leur vie comme ça. En plus, on leur donnait des possibilités de se marier sur place plusieurs fois. Donc, comme c'était des aventuriers, ça a été souvent le cas. Oui. Moulay Ismaël était entouré, les officiers de sa garde étaient des renégats qui s'étaient convertis à l'islam par peur ou par goût du lucre ou de l'appât du gain. Si on veut parler aussi de l'esclavage arabo-musulman, c'est de l'ordre de 16 à 18 millions de Noirs africains qui ont été razziés là aussi, notamment sur la côte Est. Zanzibar, c'était une île musulmane, c'était un des points de passage où on allait enchaîner, chercher les gens, et c'était des gens comme Livingstone notamment, ou Savornant de Brazza pour la France, qui ont fait cesser l'esclavage, ce qu'on oublie de dire. Savornant de Brazza s'était mis dans un village, il y avait un arbre, un genre de baobab, il avait dit aux esclaves qui étaient là, tous ceux qui viendront toucher cet arbre et se mettre sous la protection du drapeau français sont libres au même moment. Oui. C'est Brazza. Et c'est pour ça que le Congo français a gardé Brazzaville comme capitale, parce que eux connaissent encore l'histoire et savent encore ce qu'on doit à des personnages comme ça. Oui. Pour l'anecdote, quelqu'un me racontait, il avait été en Afrique noire il y a quelques dizaines d'années, il me racontait l'anecdote d'un esclave qui venait dans un coin reculé dans la forêt, qui venait d'être libéré, affranchi. Et la première chose qu'il a demandé, eh bien, c'est un esclave. Maintenant qu'il était libre. Bien sûr, ça s'est vu aux États-Unis. On leur avait dit, vous êtes libre. Alors ils partaient dans le nord. Ils étaient traités. Mais c'est pas possible. C'est ça la liberté. Voilà. Mais lui, il était à peine affranchi qu'il réclamait pour lui un esclave. C'était anecdote plus ou moins amusante. Enfin bon, il faudra qu'on
qu'on reparle de ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais, et notamment le fait que l'intervention de Charles X à Alger en 1830 est motivée justement par ce drame de la traite des êtres humains, des Européens qui étaient capturés par les barbares. Ils venaient sur les côtes aujourd'hui où les bronzes-culs de la Côte d'Azur, c'est là le Canet des Maures. C'est pas pour rien que ça s'appelle les morts. Hein. Le drapeau corse, c'est pas pour rien qu'il y a une tête de mort sur le drapeau. C'est parce qu'ils venaient radier des Corses jusqu'au jour où les Corses les ont chopés. Ils ont coupé la tête à l'un d'entre eux, ils l'ont mis sur un drapeau pour dire aux autres, voyez, si vous venez, c'est ça le drapeau corse. Hein. On l'oublie. Alors revenons un petit peu à notre sujet, voilà, message d'auditeur. Alors, une auditrice qui est ravie de l'émission, que pensez-vous de l'attitude du général Custer ? Alors, le général Custer était un tueur, comme Grant et comme Sherman. Alors là, on peut parler de crimes, plus que de crimes de guerre à leur égard, hein, puisqu'ils ont génocidé les populations sudistes. Et Custer a trouvé sa juste punition quand il a été massacré avec ses hommes par des Indiens, voilà. Alors, il s'est battu très courageusement. C'est pas un officier anecdotique, hein. C'était un soldat qui avait de la gueule, qui était un peu dandy, surnommé Cheveux d'or par les Indiens parce qu'il portait les cheveux longs avec des Anglaises, si j'ose dire. C'est quelqu'un qui en avait, mais il s'est conduit très très mal dans le Sud et les Indiens nous ont vengés. Mark Twain a pris la défense du général Grant. Par quel écrivain de cet acabit le général Lee a-t-il été défendu ? Oh, alors, sur le général Lee, je vous renvoie à mon livre. Il a été défendu par le plus grand écrivain américain et peut-être le plus grand écrivain mondial, c'est William Faulkner. William Faulkner notamment. Hein, donc je vous recommande les livres. Hein, lisez Sartoris, vous comprendrez beaucoup de choses sur la guerre de sécession. Mais à la fin, je donne beaucoup de ce qu'on dit de lui, notamment les présidents des États-Unis. Gerald Ford a fait l'éloge du général Lee. Le général Eisenhower a fait l'éloge. Le Winston Churchill a fait l'éloge. Lee est un des plus nobles Américains ayant jamais vécu. Winston Churchill. Theodore Roosevelt, je vous donne les plus connus. Je ne sais pas si vous lisez les polars, non ? James Lee Burke. Non, ça se passe en Louisiane, bon, qui était le grand écrivain de polar américain, avec un héros qui était un Cajun, c'est-à-dire un descendant de Français de Louisiane, a des choses extraordinaires. Il a écrit un livre qui s'appelle « Dans les brumes électriques avec les soldats confédérés », qui est une enquête. Je crois que c'est Bertrand Tavernier a fait une adaptation cinématographique. Comme vous le disiez, c'est aussi de conception du monde, de mode de vie qui s'affrontent entre le nord industriel et financier et le sud davantage agraire. Alors, à propos d'esclavage, il faudrait préciser que la plupart des habitants du Sud, évidemment, n'avaient pas d'esclaves. Ou très peu. Il y avait peut-être 100 grands propriétaires qui avaient des esclaves. Les autres, ils trimaient comme des noirs, si j'ose dire. Hein. Ouais. Voilà, c'était des petits fermiers, des petites gens. Et si vous voulez résumer la chose, après Gettysburg, on arrête un jeune soldat sudiste de 18 ans. Et là, il est interrogé. On lui dit, mais espèce d'imbécile, pourquoi tu te bats ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as même pas d'esclaves. Non ? Mais alors, pourquoi tu te bats ? Je me bats parce que vous êtes venu chez moi sans que je vous y ai invité. Ouais. Voilà l'état d'esprit. Et on aura peut-être l'occasion de le dire, c'était l'état d'esprit de beaucoup de noirs sudistes qui se sont battus au sein des armées sudistes. Mais oui, mais parlons un petit peu de ça, en effet, pour casser l'image faussée qu'on en a aujourd'hui. Bah, écoutez, il y avait un réflexe en fait, patriotique chez la plupart des Voilà, il y a un grand professeur d'université, un afro-américain, comme on dit aujourd'hui, qui s'appelle Louis Haynes, H-A-Y-N-E-S, Haynes, oui, qui est professeur à l'université de Baton Rouge, en Louisiane, et qui a écrit notamment Johnny Reb. Alors Johnny Reb, c'était le surnom donné aux sudistes. Johnny le rebelle. Et les Yankees, on les appelait Billy Yank. Billy le Yankee. Comme les Tommies, les Poilus. Alors il dit, Johnny Reb n'était pas seulement un blanc. C'était aussi un noir. Les femmes sudistes, noires et blanches, encouragèrent leurs maris à se battre contre des envahisseurs. Professeur afro-américain. Alors, il y a à peu près 250 000 afro-américains affranchis qui se sont battus avec les sudistes. Et parfois encore constitués, disséminés. Et 70 000 autres
encore en servitude, qui se sont battus avec les sudistes. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que ça commence à se dire, parce que les nordistes ne voulaient pas le dire, ça. Alors quand ils arrêtaient des Noirs, ils ne les inscrivaient pas comme soldats ou combattants. C'était valets, palefreniers, cuisiniers, infirmiers, etc. etc. On a parlé d'Appomattox tout à l'heure. Pendant que Lee était en train de signer la reddition devant le général Grant, il y avait des cavaliers noirs sudistes qui continuaient à se battre. Et qui ont, une trentaine d'entre eux ont été arrêtés et mis en prison parce qu'ils continuaient à se battre. Voilà. Je vous dis, c'est une histoire qui, en France notamment, parce qu'aux États-Unis, ils le savent tout ça. Hein. Ils le savent, ils essaient de le cacher. Il y a par exemple au musée de Richmond, qui était le musée de la Confédération, on vend des petits soldats, vous savez, des soldats nordistes et des petits soldats de plomb, des soldats sudistes. Et parmi les soldats sudistes, moi j'en ai acheté plusieurs, il y a des petits soldats sudistes qui sont des noirs. Et ces soldats-là partent comme des petits pains. C'est-à-dire qu'on vend 50 soldats sudistes noirs ou blancs quand on vend 3 nordistes hein, dans ces musées. Donc, il y a eu des groupes, des ligues de vertu, souvent des blancs. Hein. C'est des blancs. Parce qu'on croit que ce sont des noirs qui sont derrière ça. Il y a quelques activistes noirs de la côte ouest ou de la côte est, mais ce sont des blancs qui disent non, non, c'est pas bien, il faut pas dire ça. Or, quand vous vous promenez dans le sud, vous avez des stèles. J'ai fait un article dans Présent qui s'appelle « Est-ce qu'il faut déboulonner les statues des noirs qui se sont battus pour le sud ?» Parce que quand vous allez dans le sud, vous allez partout à la mémoire des Afro-Américains qui ont revêtu l'uniforme gris. Partout. Oui. Partout. Et donc, ces statues, qu'est-ce qu'on en fait de ces stèles, de ces plaques, de ces hommages qui sont faits? Quand vous avez des rassemblements sudistes, vous voyez des descendants de combattants noirs sudistes qui sont là avec le drapeau confédéré. Quand il s'est agi de retirer, par exemple, du drapeau de la Géorgie, il y avait un petit drapeau confédéré dans l'angle. Il n'y a pas eu de référendum. C'est passé par un décret. Oui. En revanche, dans le Mississippi, dont le drapeau est un drapeau sudiste. Et dans le Mississippi, il y a 52% de Noirs. On a fait un référendum. Et le référendum a décrété qu'à 70%, il fallait garder le drapeau sudiste. Et les Noirs, quand vous allez là-bas, vous dites, mais c'est notre histoire à nous. Et vouloir nous empêcher de raconter cette histoire et dire quels ont été nos choix, c'est infiniment raciste. Et il y a un historien qui dit, je cite que des historiens afro-américains. Hein. Bon, les Blancs, c'est facile, mais les Blancs, c'est pourri, généralement. Bon, mais oui, c'est vrai. Il dit, la plupart des Noirs du Sud, sinon tous, ont soutenu leur nation. En faisant cela, ils ont montré qu'il était possible de séparer le refus de l'esclavage et l'amour de la patrie. Les causes de la guerre civile ne furent pas, comme on le croit maintenant, l'esclavage et le suprématisme blanc, mais le non-respect par l'État fédéral du droit des États confédérés. Un autre encore, le conservateur du musée de Raleigh, un Afro-Américain. Du fait d'un rapport particulier entre le sol et ses habitants, le patriotisme sudiste s'était développé, y compris chez les esclaves des plantations. Etc, etc. Bon, je pourrais donner des exemples jusqu'à plus soif. Avant la guerre de sécession, il y a un nordiste qui descend, qui prend un train pour descendre dans le sud, vers l'Alabama, et il est dans un wagon, et à côté de lui, il y a une maman noire et une maman blanche qui ont des gosses. Et les gosses sont en train de puiser dans le même paquet de biscuits et de bonbons et de se partager. Il dit, mais dans le nord, on verrait jamais ça. On verrait jamais ça. Et un autre qui dit, moi je suis dans le sud et je vois un blanc qui va quitter le trottoir pour aller en face saluer un voisin noir. Mais à Boston, mais ça serait l'horreur, ça serait... Voilà. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Bien sûr, énormément d'hypocrisie. Vous vouliez nous citer un autre passage, je pourrais vous citer sur les relations raciales. Un combattant, justement, il était question d'ériger une statue... Déjà, à une stèle dans le Mississippi, à la mémoire des morts confédérés de Jackson, la bataille de Jackson dans le Mississippi. Mmh. Et lui, il va voter pour, alors que tous les Blancs disent « Non, non, il ne faut pas leur rendre hommage à ces confédérés. » Et il dira « J'ai tenu, il était malade. » Il quitte son lit, il vient. « J'ai tenu à me trouver ici à ma place pour dire quelques mots quant à ce projet. J'ai dû me tirer de mon lit de souffrance pour le faire. Peut-être que c'est imprudent de ma part, mais je ne pouvais rester tranquille dans mon lit et ne pas apporter ma contribution au débat. » J'ai été ulcéré d'entendre le discours du jeune gentleman du Marshall County, jeune gentleman blanc. Je suis désolé que le discours d'un fils de soldat, quel qu'il soit, doive figurer dans les archives au motif qu'il se sera opposé à l'érection d'un monument à la mémoire de morts courageux. Et je suis convaincu que si, comme moi, il avait vu ce que j'ai vu à Seven Pines, une bataille terrible, et dans les combats des 7 jours autour de Richmond, les champs de bataille jonchés des formes méconnaissables de ceux qui se sont battus pour leur pays et l'honneur de ce pays, ils n'auraient pas osé prononcer un tel discours. Quand la nouvelle nous parvint que le Sud était envahi, ces hommes, noirs et blancs, partirent se battre pour ce en quoi ils croyaient. Et ils n'ont pas demandé qu'on leur érige des monuments. Mais ils sont morts et leurs vertus doivent être honorées. J'étais avec eux. J'ai porté moi aussi l'uniforme gris de la même couleur que celui de mon maître, comme on disait. Nous sommes restés au front 4 longues années et si la guerre avait continué, j'y serais encore. Je veux honorer ces hommes courageux, etc., etc. Mmh. Et le monument sera érigé, le même qu'on voudrait faire descendre aujourd'hui, peut-être. Ah oui. Ah, on retrouve ça dans ce passage, oui, et d'autres dans votre livre. Des informations autour de la guerre de sécession, oui.
Très bien. Elisabeth, je crois que nous avons des questions d'auditeurs. Oui. Si vous l'avez lu, qu'avez-vous pensé du livre de Dominique Venner, Le blanc soleil des vaincus ? Oui, c'est un livre fondateur en France. C'est le premier livre qui est sorti un peu de la vulgate habituelle, les méchants sudistes et les gentils, les vertueux nordistes. C'est un très bon livre et il a été réédité, je crois, chez Via Romana. Voilà. Une dernière question de ma part, Alain Sanders. Un petit exercice de style. Que se serait-il passé, selon vous, si le Sud avait gagné la guerre ? À quoi ressemblerait l'Amérique du Nord ? Je ne dis pas les États-Unis. Eh bien, je pense que la chute d'Atlanta, ça n'a pas été la fin du monde, mais ça a été la fin d'un monde. Oui. Si le Sud avait gagné la guerre, il y aurait eu deux États, le Nord et le Sud, qui auraient été, pour des raisons géographiques, obligés de commercer ensemble, mais avec des règles revues. Et l'esclavage qui était en train de mourir doucement aurait disparu tout aussi régulièrement et il n'y aurait pas eu cette horreur qu'a été la guerre dite de sécession. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Mais c'est à méditer quand même. C'était comme l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'était le pays le plus démocratique du monde. N'importe quel État de l'Union soviétique pouvait le quitter quand il voulait. On a vu la Hongrie, on a vu la Pologne, on a vu quand il bougeait une oreille. Là, nous, on est dans une fédération européenne. On est dans la même configuration. Regardez les malheurs qu'ils font aux Britanniques. Les Britanniques, c'est une île. Et puis, ils n'avaient pas l'euro. Oui. Et puis, les Britanniques, Cambronne leur a dit le mot de Cambronne, mais ils savent le retourner. Mais imaginez que demain, un État autre, hein, je prends la France au hasard, décide de quitter leur Europe, je ne suis pas sûr qu'ils ne nous envoient pas des troupes fédérale. Donc, c'est la leçon de la guerre de sécession. Il vaut ne pas attendre. Plutôt, ce sera fait. Mais ce sera moins dur. Quand on sait comment on rentre dans une fédération, on ne sait pas comment on en sort. Et souvent, on en sort les pieds devant. Voilà. The Constitution, this great republic too. I hate the Freedmen's Bureau in uniforms of blue. I hate the nasty eagle with all his brag and fuss. The lion, thief, and the Yankees, I hate them worse and worse. Oh, I'm a good old rebel now, that's just what I am. And I don't want no pardon for anything I've done. $300,000 Yankees is stiff in southern dust. We got 300,000 before they conquered us. They died a yellow fever, southern steel and shot. I wish they was 3 million instead of what we got. Oh, I'm a good old rebel now, that's just what I am. And I don't want no pardon for anything I've done. I can't take up my musket and fight 'em now no more. But I ain't a gonna love 'em now, that is certain sure. And I don't want no pardon for what I was and am. Alors la chanson dit I wish I was in Dixie. Comme j'aimerais être au Dixieland. Voilà. Et ça a tellement plu aux sudistes que c'est devenu un des deux hymnes sudistes.